Radia, Yeto et Brahim visitent la forêt de Mahamora. Brahim, bonjour monsieur le garde forestier. Pouvez-vous nous expliquer le rôle que vous jouez dans la forêt de Mahamora Garde forestier, je fais attention à ce que la forêt ne prenne pas feu et je veille à protéger tous les êtres vivants qu'on y trouve. Radia, contre quoi est-ce que vous devez protéger la forêt Garde forestier, je dois la protéger contre l'abattage non réglementé des arbres. Yeto pourquoi est-ce si important de ne pas détruire la forêt Garde forestier, la forêt est une importante réserve de bois. Avec le bois, on fait des meubles, des maisons, du papier. En plus, les arbres nous donnent l'oxygène que nous respirons. Yeto, quels sont les êtres vivants qui vivent dans la forêt Garde forestier, la forêt de Mahamora abrite toutes sortes d'espèces animales, comme des oiseaux, des lièvres et des renards. Brahim, en somme, Prendre soin de la forêt et de la responsabilité de tous car elle est utile à nous tous. Radia, Yeto et Brahim visitent la forêt de Mahamora. Brahim, bonjour monsieur le garde forestier. Pouvez-vous nous expliquer le rôle que vous jouez dans la forêt de Mahamora? Garde forestier, je fais attention à ce que la forêt ne prenne pas feu et je veille à protéger tous les êtres vivants qu'on y trouve. Radia, contre quoi est-ce que vous devez protéger la forêt? Garde forestier, je dois la protéger contre l'abattage non réglementé des arbres. Yeto, pourquoi est-ce si important de ne pas détruire la forêt Garde forestier, la forêt est une importante réserve de bois. Avec le bois, on fait des meubles, des maisons, du papier. En plus, les arbres nous donnent l'oxygène que nous respirons. Yeto, quels sont les êtres vivants qui vivent dans la forêt Garde forestier, la forêt de Mahamora abrite toutes sortes d'espèces animales, comme des oiseaux des lièvres et des renards. Brahim, en somme, prendre soin de la forêt et de la responsabilité de tous car elle est utile à nous tous.